Clément, je suis super contente de vous retrouver. Oh, combien vous m'aviez manqué, combien ça m'avait manqué de vous retourner des vidéos. Pour ceux et celles qui me suivent sur Snap, j'étais un petit moment à l'étranger, voir de la famille. C'est pour ça qu'il y a eu un petit laps de temps où je n'ai pas pu poster de vidéos. Mais c'est reparti avec la rentrée, avec de bonnes bases et avec le smile comme toujours. Donc, cette vidéo sera sur le fait de repulper ses lèvres avec le maquillage. J'ai voulu tourner cette vidéo, pourquoi? Parce que j'ai reçu quelques commentaires me disant que je dépassais lorsque j'appliquais mon rouge à lèvres. Et ma réponse était tout simplement que c'était volontaire, je ne dépassais pas, j'appliquais simplement la technique du Lipsorber Line qui vient des États-Unis. Il me semble que c'est Kylie Jenner qui a lancé cette mode et donc ça consiste tout simplement à tracer, à l'aide de son crayon à lèvres, à faire son tracé sur l'arc de Cupidon et non pas à l'intérieur comme la norme le souhaiterait. Donc voilà, c'est vrai que on aime ou on n'aime pas, c'est à vous de voir, mais ça peut peut-être en décomplexer certaines qui ont les lèvres fines, qui pensent qu'elles ont les lèvres fines et qui le vivent mal. Et ça peut aussi vous aider à vous sentir mieux. Le maquillage, c'est fait pour vous amuser, donc amusez-vous et faites ce que vous avez envie de faire avec le make-up. C'est fait pour ça. Donc, je vous laisse avec la vidéo en espérant qu'elle vous plaira. C'est parti, on commence par sortir son crayon à lèvres. Ici le mien c'est celui de chez NYX, c'est le New Truffle, c'est un crayon à lèvres assez marronné. Ensuite on se focalise sur l'arc de Cupidon. L'arc de Cupidon c'est le haut de votre lèvre, donc il n'est pas question de dépasser mais de tracer votre crayon à lèvres sur l'arc de Cupidon. Vraiment, on cible la zone, le centre de ses lèvres. Ensuite, toujours avec le même crayon, on va venir rejoindre sa ligne de base, qui est celle la normale, on va dire, de ses lèvres. Et ensuite, on blende. Comme vous avez pu le voir avec le crayon à lèvres, l'effet est immédiat et l'illusion de lèvres repulpées est immédiate aussi. Immédiate aussi. Donc, pour la seconde étape, on utilise un rouge à lèvres mat. Mat pourquoi? Parce que la ligne naturelle de vos lèvres sera beaucoup plus dissimulée avec un rouge à lèvres mat. Celui que moi je vais utiliser ici, c'est le NYX Lingerie, le Beauty Mark Grain de Beauté. Toujours dans les tons marronnés. C'est parti pour la... Après cette deuxième étape, normalement, là, vous allez vous dire « Waouh, j'ai des lèvres repulpées grâce à mon crayon à lèvres et à mon rouge à lèvres mat. » Alors là, soit vous vous arrêtez à ces deux étapes, soit vous passez à la troisième étape si vous voulez encore plus cette illusion d'optique. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé un rouge à lèvres beaucoup plus clair que ceux que j'ai utilisés préalablement avant. Et ici, c'est le Meet de chez MAC, de la gamme Satin, que je vais venir placer au centre de mes lèvres. C'est parti pour l'application.
Voilà les filles, cette vidéo est enfin terminée. Elle fut courte, je le sais. En tout cas, ça m'avait énormément manqué. Vous m'aviez énormément manqué. Je suis super contente de reprendre le tournage, entre guillemets, des vidéos. N'hésitez pas donc à commenter, à me laisser vos avis, à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner. Prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. À la semaine prochaine. Bye bye.